Salut à tous, c'est Darryl Dixon. Aujourd'hui, Alice Gaming va faire une brocante. Un jour férié. Eh oui, apparemment il y en a une juste à côté de chez lui, à Port d'Orléans. Donc on verra bien ce qu'il y a. Il y a 120 exposants à peu près. Donc ça va être la première fois qu'Alice Gaming va faire cette brocante. Je crois que d'habitude ça tend un jour férié à chaque fois. Alors ça c'est cool, on va voir ce qu'il y aura. Sinon, bah s'il n'y a pas, bah il n'y aura pas de compte rendu. Bon, voilà. Allez, je vous dis à toutes pour Alice Gaming. Pour l'intro. Salut à tous. Voilà, comme dit Daryl, on va en faire une petite brocante à Porte d'Orléans. Donc c'était pas très loin, on verra bien ce qu'il y a. Il a dit qu'il y a 120 exposants, donc ils sont en train d'exposer là, tout doucement. Ça reprend, c'est le début du matin, ils sont pas jamais alertes de toute façon. Donc voilà, on verra bien ce qu'on trouvera en espérant qu'il y aura quand même quelques petits jeux vidéo, espérons. Sinon, non, c'est pas très grave, on est là pour en balade. Je voulais voir s'il y avait une petite brocante, vu que ce week-end j'avais un peu la flemme. Voilà, je vais un peu la fin de sortir, on va dire. Voilà, même si c'est beau. Allez, je vous dis à toutes. Pour les images, s'il y en a. J'essaie de garder autrement pour manipuler, ça va? Non, tout est dur. Vous voyez, et donc j'essaie de tenir mes dernières forces pour peindre et puis sinon. Vous avez l'impression que vos forces vous abandonnent? Ah ben, vous savez, quand vous avez mal dit, vous avez mal tombé, par exemple. Ah ouais. C'est pas insupportable, hein, mais. Ah ouais, mais c'est une gêne. Mais si je trouve un rhumatome, c'est pas normal. Même si, effectivement, on sait que le rhumatome est un problème difficile à régler, mais. Ah oui. Mais c'est parce qu'il y a peut-être différentes sources. Il peut y avoir différentes causes, effectivement. Non. Par exemple, là, cette main, j'ai été mal. J'ai été opéré de la. Comment ça s'appelle? Une canne carpienne. Ouais. Je me demande si c'est pas ça qui l'a empiré. Ah. Voilà, parce que souvent, c'est mal diagnostiqué. Ça peut être un problème de. Oui, ils disent pas aussi les inconvénients, ils disent les avantages, mais pas toujours les inconvénients. Les diagnostics, surtout, sont un petit peu. Je suis intéressé par ces deux-là. J'ai fait 5 euros pièce. Ouais, ça me va, merci. Je les prends. Il y a des jours comme ça. Bonjour. T'as combien le jeu? Euros pièces, d'accord, merci. Et les petites Playmobil, vous les faites à combien? 1 euro. 1 euro, d'accord, merci. La boîte, elle peut partir à 15. D'accord. Alors, t'as trouvé des jeux?
Est-ce que t'as trouvé de la pièce dans la brocante? Oui, oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je les ai trouvés. J'en ai trouvé au moins un qu'il avait pas dans sa collection full set. Après, l'autre, il a voulu le regrader parce que le sien, il avait plein de notices. Enfin bref, il était en meilleur état que celui qu'il avait à la base. Ok, parce que si tu me mens, je te flingue avec mon sniper. Je te promets que je vais te flinguer la gueule. Oui, 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 t'inquiète. Allez, moustachu, on se retrouve pour le compte-rendu. Oui, n'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous à la chaîne de Alex Gaming. C'est un super pote. Ah non, il nous a récupéré. On était dans une boîte, plein de personnages dedans. Mais nous, il nous a choisi parce qu'on est les meilleurs pour faire l'intro. Enfin, pour faire le montage vidéo. Donc, abonnez-vous à Alex Gaming. Ok, abonnez-vous, sinon je le flingue. Je le flingue. Re les amis, donc voilà, voilà le petit compte rendu. Vous avez dû voir, j'ai rentré des petites Playmobil. J'ai fait un petit montage. Voilà, je les ai trouvés à 1 euro pièce. Donc voilà. Ensuite, vous avez dû voir dans le live, j'ai trouvé des jeux dans une petite boîte marron. Et ensuite, j'ai réussi à négocier. Donc j'ai réussi à négocier ces jeux-là. Du coup, je les ai eu à 5 euros les deux. Voilà. 5 euros, je trouve que c'est correct. Je vais essayer de négocier à ce prix-là. Voilà, je vous montre. Bon, j'ai regradé celui-là parce que le mien, il n'est pas complet. Et en plus, celui-là, en plus, il est en bon état. Voilà. Voilà. Donc, franchement, je suis content. Surtout pour la notice. J'étais très content pour celui-là. Parce que celui-là, je vais leur regrader le jeu contre le mien. Voilà, je l'ai repris pour ça. Et bien sûr, j'ai rentré celui-là, le Rocky Legend. Celui-là, très content. Très content de l'avoir rentré celui-là. Bon, malheureusement, il n'a pas de notice, ce qui est dommage. Et le CD, il est impeccable. Franchement, je suis content. Donc, on va dire 5 euros. Je les ai eu. Attendez. 5, 6, 7. Ouais, en tout, celui-là, je l'ai eu à 2 euros parce que je lui ai dit qu'il n'y avait pas de notice. Voilà, 2 euros, bon, c'est nickel. Et en bon état, la boîte nickel. Au pire, je la changerai pour avoir une boîte encore plus propre. Parce que j'ai plein de boîtes à la maison, j'ai quelques boîtes. Donc voilà, donc je suis content pour ce petit compte rendu, même si j'ai pas trouvé grand chose, malheureusement, c'était pas ouf. Cette brocante là, mais bon, je me suis dit, faisons un petit tour pour dans la brocante pour pouvoir. Voir ce qu'il y a, on sait jamais, hein. Et j'ai fait le tour depuis un petit moment quand même. Et j'ai fini par trouver le mec qui vendait des jeux. Ah, je vous ai pas dit, j'ai vu une dame, je lui ai donné mon numéro. Apparemment, elle vendait, bon, j'ai pas filmé. Apparemment, elle m'a dit qu'elle vendait des jeux, mais elle les avait chez elle. Donc elle m'a dit que la semaine prochaine, si elle me contacte, elle m'enverra des photos des jeux vidéo. Elle me dit j'ai du vieux jeu et tout. Je dis ouais, vous inquiétez pas, je suis intéressé. Apparemment elle a plein de jeux. Donc, je vais voir si ce week-end, si j'irai pas la voir. Apparemment elle est de Paris. Il faudra juste qu'elle me donne son adresse sur le message. Et puis voilà. Si c'est bon, je pourrais y aller la voir, la dame. Donc c'est une dame qui vendait, elle vendait un Toy Story, je crois, un Woody. Bon, je lui ai demandé si elle avait des jeux de jeu. Elle m'a dit non, apparemment ils sont chez moi. Bon, ok. C'est dommage hein, parce que j'aurais pu lui prendre des trucs, mais bon. Voilà, bon c'est pas grave parce que ça se trouve, c'est même la première fois que je vais pouvoir. Je vais pouvoir voir une personne à l'extérieur pour pouvoir lui acheter des jeux comme marketplace. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Puis si c'est pas fait, abonnez-vous, ça me ferait toujours plaisir. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao les amis, même si c'est un petit compte rendu maigre. Voilà, bon bref, c'est de la vie. On peut pas avoir ce qu'on veut, mais je suis quand même content pour celui-là. Hein. Franchement, ça fait plaisir, je vais rechercher celui-là. Voilà. Je vous dis ciao les amis.